La date du 7 janvier avait été choisie pour des raisons purement matérielles, celle de l'agenda du cardinal, qui en plus finalement n'est même pas venu. Et peut-être certains se sont dit, ajouter une solennité comme ça au temps de Noël, alors qu'on a déjà tellement à faire, c'est à épuiser des chantres et des liturgistes et tout ce qu'on veut, quoi. On aurait pu mettre ça à un endroit beaucoup plus commode, qui nous aurait fait un jour de vacances supplémentaires pendant l'année. Ça a été un casse-tête pour le doyen. Non, quoi. Et puis, à bien y regarder, pour l'éternité, la dédicace de notre Église est conjointe, de manière plus ou moins proche, avec le mystère de l'épiphanie. Et le frère liturgiste ne s'y est pas trompé, puisqu'il a inséré dans l'évangéliaire l'évangile de la dédicace juste à côté de l'évangile de l'épiphanie. Alors, je ne voudrais pas plagier ce que frère Jean Damien nous a dit hier. Toujours est-il que j'ai trouvé dans son homélie une grande source d'inspiration pour ce matin. Donc ceux qui pensaient avoir la messe de l'épiphanie, vous aurez des petits restes. En effet, la première chose que font les mages lorsqu'ils arrivent à Bethléem, c'est d'entrer dans la maison. Oui, ils entrent dans cette maison, dans cette pauvre crèche, dont le point commun avec une chapelle, c'est qu'une crèche et une chapelle peuvent facilement brûler l'une et l'autre. Ils entrent dans la maison pour rencontrer le Seigneur et l'adorer. Oui, pour l'éternité, quand nous rentrerons dans notre chapelle, la Providence nous invite à entrer dans la crèche, nous invite à entrer dans cette maison du pain, dans cette crèche où le Seigneur a été déposé, signe déjà par anticipation de l'Eucharistie, où le Seigneur est déposé sur l'autel pour être mangé. Et ce que les mages font en entrant dans la maison, c'est de se prosterner pour adorer. Se prosterner devant l'enfant, adorer, c'est reconnaître le lien de nécessité vitale qui existe entre mon Créateur et moi, qui existe entre mon Sauveur et moi. Adorer, ça devrait être vital, ça devrait être
existentiellement nécessaire, plus existentiellement nécessaire même que notre respiration, parce que en dehors de cette adoration véritable, de cette remise complète de tout notre être et de toute notre vie à Dieu, il n'y a pas de communion possible avec notre Dieu créateur et sauveur. Retrouver dans cette adoration le lien vivant avec Dieu, c'est sans doute ce que signifie le fleuve qui coule du côté droit du temple. Oui, entrer dans cette maison de Dieu, entrer dans l'adoration, c'est venir chercher pour nos vies la guérison. Ce fleuve qui coule du côté droit du temple apporte la guérison, et les arbres qui poussent au bord du fleuve sont un remède. Oui, entrer dans la maison de Dieu, venir rendre au Christ Seigneur un culte d'adoration, c'est venir à la source de toute vie. C'est le sens de toute liturgie. C'est le sens de notre vie consacrée, entièrement consacrée, offerte, donnée, vivifiée par Dieu. L'autre point commun, bouleversant, entre la célébration de la dédicace d'une église et l'épiphanie, c'est l'importance de la lumière. L'étoile, lumière dans la nuit, a guidé les mages vers l'unique et vraie lumière qu'est le Christ. Et dans la prière de dédicace de l'Église, voilà comment la liturgie nous fait prier. Église de gloire, bâtie sur la montagne, clarté attirant tous les regards, lumière de l'agneau. Oui, notre vocation comme chrétien, comme consacré, est d'être entièrement translucide à la lumière du Christ. Le Christ ne pourra être aujourd'hui encore lumière des nations que si son Église accepte de se convertir, accepte d'être le photophore de la lumière du Christ. Oui, nous sommes appelés par vocation à être des porteurs de lumière, à être des témoins du salut. Et frère Jean Damien rappelait hier que la fête de l'Épiphanie est la fête patronale des missions étrangères de Paris. Et nous avons dans cet hôtel un lien indéfectible à travers Saint Jean-Louis Bonnard avec les missions. Et si nous sommes entièrement consacrés par l'adoration au culte de Dieu, nous sommes comme apôtres appelés à rendre témoignage missionnaire jusqu'au don de notre vie. La mission n'est jamais une parole, mais le don d'une vie, l'accueil de la vie du Christ et le don de notre propre vie pour le Christ. Enfin, ce qui est très étonnant, c'est que l'évangile de Matthieu, le jour de l'Épiphanie, nous dit qu'en entrant dans la maison, ils virent l'enfant
avec Marie, sa mère. Une église consacrée, une église dédicacée, elle est le signe de l'église épouse et mère. Et nous n'aurons accès au Christ, source de toute vie. Nous n'aurons accès au Christ, lumière des nations. Nous ne pourrons répondre à notre vocation d'adorateur. Nous ne pourrons répondre à notre vocation d'être porteur de lumière que si, en poussant la porte, en entrant dans la maison, nous y trouvons la Vierge, épouse et mère. Mère de l'Église, modèle de toute consécration, fontaine du salut parce qu'elle nous donne la source du salut. En dehors de Marie, il n'y a pas moyen de ressembler au Christ, puisque aucun enfant ne ressemble plus à sa mère que l'enfant Jésus ressemble à sa mère. Et en même temps, dans la Vierge Immaculée, il n'y a rien qui ne soit pas le Christ. Il n'y a rien qui n'appartienne au Verbe. Il n'y a rien qui ne soit reflet du Verbe. Alors, en célébrant l'anniversaire de cette dédicace, nous qui, après chaque Eucharistie, nous consacrons et renouvelons notre consécration à Marie, demandons à Marie d'être comme elle, le reflet de l'Église en pèlerinage, signe d'espérance assurée pour le peuple de Dieu. Alors, en elle, par elle et avec elle, nous répondrons à notre vocation d'adorateur et de missionnaire. Amen.